Story time scandaleuse, vraiment, écoutez bien. J'ai fréquenté un joueur de foot de la Coupe du Monde 2022. Et spoiler alerte, il m'a nexté pour une meuf de télé-réalité. Let's go! Comme je vous l'ai dit dans mon récap de ma vie amoureuse 2022, les joueurs de foot sont beaucoup venus à moi cette année, dont lui. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu réticente parce que, vas-y, les joueurs de foot, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Donc c'est vrai qu'à chaque fois ils voulaient me voir et tout, et j'étais là en mode bah je sais pas trop, non et tout, j'étais ultra occupée en plus donc ça n'aidait pas. Et après il m'a dit ouais mais après Garance moi je vais au Qatar donc on va pas pouvoir se voir et tout. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit ok bah écoute là je fais un laser game avec mes copines si tu veux tu peux venir. Comme ça fait date mais pas trop date et tranquille quoi, bon délire. Du coup il a accepté, il est venu au laser game avec nous. On s'est rencontrés, ça s'est bien passé. Il s'est pété le nez pendant ce laser game. Voilà, mais quand je dis pété le nez, c'est vraiment pété le nez, quoi. C'est vraiment, il s'est mangé un mur, les laser games étaient dans le noir. Bah lui, il s'est vraiment fait mal. Après, il nous a toutes mis à l'amende, hein, vraiment. Il a été ultra fort pendant le laser game, mais vas-y, ça lui aura valu un nez pété. Donc ce qui est assez marrant, c'est que sur ses photos officielles de foot, là, de Coupe du Monde, d'équipe, il a un gros pansement sur le nez. Et vas-y, il n'y avait que moi et mes copines qui savaient pourquoi, donc c'était un peu drôle. En sortant du laser game, il m'a dit Garance, tu veux qu'on rentre ensemble et tout, tu fais quoi? Non, non. J'ai dit bah non, écoute, je vais rester avec mes copines, je veux pas rentrer avec toi. Parce que je voulais prendre mon temps et je voulais faire les choses bien, quoi. Il est parti au Qatar, j'ai pris un peu de ses nouvelles pour son nez, je lui ai souhaité bon courage et tout pour la Coupe du Monde. Mais voilà, je lui ai pas trop parlé parce que vas-y, c'est la Coupe du Monde. Je savais qu'il allait être dans un mindset de foot à mort et normal quoi. Donc vas-y, on reprendra notre relation, en tout cas ce qu'on avait commencé, quand il reviendra sur Angers et voilà. Donc c'est vrai que on s'est pas trop parlé pendant ce temps-là. Il soutenait de fou et j'étais même fière de lui, même si on se connaissait à peine. Bah je sais pas, j'étais contente quoi. Voilà, il a fait un parcours de fou et après j'ai vu des articles. Comme quoi, oui, le célèbre joueur dont tout le monde parle est en couple avec une meuf de télé-réalité et tout. J'ai vu les articles, j'étais en mode ok. Je lui ai envoyé un message, du coup, il m'a lâché un but. Voilà. Donc, je pense que c'est vrai, cette info. Voilà. Puis il m'a